Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec la présence de mon ami Alex, que vous connaissez sûrement maintenant par le biais des vidéos d'essais auto qu'on fait sur notre chaîne. Hein, Alex, il se passe plutôt pas mal. Alors merci encore une fois à toutes les personnes qui nous laissent leur véhicule. Hein, c'est vrai. Parce qu'on a pu essayer vraiment encore une fois. Merci à Eddie la dernière fois. Une Dodge Challenger SRT 717 chevaux, c'était plutôt classe. Merci aussi à l'atelier Calvin, hein, qui est toujours un de nos partenaires de folie. Et puis aussi aujourd'hui, on est chez Détail Car, à Saint-Jean-du-Cardonnet, un partenaire aussi à nous, un partenaire qui est en train de grossir. On a signé un vrai contrat, là on est en phase de signer, on l'a rédigé encore hier. Et voilà, je voulais présenter à Alex, puisque Alex ne les connaît encore pas bien. C'est charmant jeune homme, et puis leur travail. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le détailing, notre ami JC va nous expliquer tout ça. Alors donc là, on a déjà Mathieu, qui est un peu plus l'homme de l'ombre, qui est au bureau là, ici, qui va nous faire un petit coucou avec. Hein. Genre il bosse. Salut tout le monde. Salut Mathieu, ça va? Allons, Dimi. En forme? Bah ouais, nickel. Impeccable. Donc oui, détailing, c'est vraiment, voilà, Jean-Christophe va mieux vous l'expliquer que moi, mais ça se passe aussi sur les motos, hein, les vélos, les casques, hein, tout ce que de toute façon on voit avec le carrosserie. On en a fait un il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, là aujourd'hui en plus, on a de la chance quand même pour moi, puisque aujourd'hui notre ami Jean-Christophe travaille sur une magnifique 628, c'est ça? Salut, comment? Ouais, c'est ça. 628 CSI. CSI, voilà, vraiment des années, combien ça fait des années? Et dans les années 80. Les années 80, donc un véhicule que j'apprécie particulièrement, parce que, voilà. Enfin, parce le véhicule est en mode, mais j'adore les vieux véhicules. Donc venez voir un petit peu mon Jean-Christophe, il va vous expliquer un peu ce qui se passe ici, si vous avez besoin. Pour votre véhicule de collection ou autre, hein, il n'y a pas spécialement de... Hein. Oui, alors, bah oui, clairement. Bah, comme la dernière fois, toi, hein, on est encore sur l'allemande d'ailleurs. La dernière fois, c'était la Porsche, la Boxster, et là, on est parti sur l'allemande. Oui, là, on est parti donc, sur... Alors, bah, en fait, le client, là, sa demande, ça va être... c'est une sortie de grange. Donc, en fait, il a acheté ça, c'était sa première voiture à l'époque. Il a retrouvé le même modèle. Et puis, bah, voilà, on lui refait un lustrage complet, donc correctif. Et puis une petite pause de cire pour entretenir un peu la voiture. D'accord. Par la suite. Une cire parce qu'en fait c'est une vieille voiture, donc on n'est pas parti sur une céramique. On va garder quelque chose d'assez cohérent par rapport à l'âge de la voiture. Ouais, ouais. Et puis bah, les roues, on peut voir que les roues sont plus là parce qu'effectivement ils sont en réflexion chez un confrère sur Paris. Donc voilà, on va lui refaire quelque chose de nickel. Là, on a fait tout le champignage intérieur. Démontage complet des sièges. D'accord, en fait, c'est même, ça passe par l'intérieur, je peux ouvrir. Ouais, ouais, tu peux ouvrir, ouais, on a fait. Donc, démontage des sièges, shampouinage de la moquette. C'est vrai que l'intérieur, il est vraiment. Ouais, ouais, pour les petits. Il est vraiment dans un état plutôt avec le petit coussin. Ouais, c'est poussant, ça. Excellent. Ah, c'est beau, hein. Le modèle qui est plutôt bien. Qui est plutôt bien. Bien resté, bien conservé pour l'époque, ouais, carrément. Dans l'extrémité, voilà. Ouais, exactement. On avait fait d'ailleurs la G310, hein, qu'on avait fait gagner, qui était passé chez les choux pour faire un vrai nettoyage et puis un truc sympa. Je vais d'ailleurs leur amener bientôt une magnifique moto. Très propre. Ouais, j'espère. Là, on a 900R, ma petite 900R de Stone va passer ici, puisque d'ailleurs, je pense que j'y pensais hier, on pourrait même mettre une protection, parce qu'au final, je frotte pas mal, je la raye un peu. Ouais, c'est bien possible. Pour aller jusqu'au bout et puis mettre une protection. Donc, c'est la céramique, tu dis, c'est ça? La céramique, ça va être vraiment une aide au lavage. Et puis après, si on veut vraiment quelque chose d'un peu plus costaud, on va aller faire du PPF, donc du vinyle. Ah oui, ouais, pourquoi pas, d'accord. Donc, le PPF, ça se pose par-dessus. Ouais, ouais. On a sur un des modèles qui est juste derrière. Tu peux voir, c'est quelque chose de c'est translucide, donc en fait on n'a pas d'assurance, ça change pas la teinte. Par contre, ça protège énormément. Ouais. Là, les anti-gravillonnage, tout ce qui va être brûlure, les fientes de pigeons, enfin tout ça. Top, parfait. Donc, si jamais vraiment vous avez besoin de faire nettoyer, protéger, rénover votre véhicule et lui donner une deuxième santé, n'hésitez pas. À venir voir nos amis et partenaires de Détail Car. Ah bon, Alex, t'es heureux d'être là? Italie. C'est pas l'Italie ici, il y a de l'allemande, voyons. Et un peu d'allemand. Un peu de tout. Et voilà. Exactement. Donc, partenaire d'ailleurs qui va sûrement aussi rentrer dans la journée du 10, hein, oubliez pas, le 10 décembre, on a une journée aux écuries sur piste mouillée pour faire tout ce qui est glisse et dérive. Alex sera là, nos amis de Détail Car aussi, avec voilà, tout un tas de partenaires et d'amis pour bien s'amuser. Zé. Zé, voilà. Merci à tous et à bientôt.